Ils t'ont fait croire. Ils t'ont fait suivre. Tu t'es perdu. Il fallait juste vivre. Retrouvant la vue. Il fallait rester bien sage dans le modèle paysan de nos ancêtres. Il fallait garder tout ce qu'ils avaient fait. Il fallait rester sur l'avancement de nos anciens. Il fallait rester vivant et planter des jardins. Nous avons dérivé dans les magasins. Nous avons suivi doucement une vie comme les Américains. Nous avons mal tourné. Nous avons suivi le diable dans son commercial. Partout nous avons suivi la mauvaise voie. En France et dans tous les pays, soi-disant évoluer, c'est le dictat de la politique. Encore le peuple y croit, ils veulent voter pour leur sauveur, pour les sortir de là. Alors que c'est eux-mêmes les esclaves, ils ont choisi leurs conditions. Faïa de fil en aiguille, ils ont fait bouillir la grenouille comme une anguille. La température est montée. Ils n'ont pas senti venir les degrés proches de l'explosion. Vient venir la grande prophétie peut-être pour nous délivrer. Il est temps de voir maintenant dans l'avenir un présent ultra connecté à l'intérieur de soi-même. Il est temps de revenir à l'intérieur de soi-même. Il est temps de s'ouvrir, de guérir, de réparer l'ADN. Il est temps de vibrer, oublier les problèmes, ne pas se concentrer. La loi d'attraction t'emmène là où tu te portes. À nous d'accomplir la divine destinée. À nous l'aventure. À nous de sortir de ce carcan doré qui commence à devenir merdeux. À nous de sortir de cette aventure de fumier des politiciens véreux. Donner sa voix, c'est donner son avenir. Donner sa voix, c'est rentrer dans le système et périr. Donner sa voix, c'est être un esclave, mendier le pouvoir alors qu'à l'intérieur il suffit de sourire et de s'ouvrir à soi-même. La loi divine qui vient sur terre et nous ramène un accomplissement final. La création collective, l'accomplissement, accumulation des intérieurs. Nous sommes un canal, la vibration nous attire à nous, l'univers, la vie. Pour le meilleur et le pire, apprenons à nous tenir dans la voie du milieu. Au plus près de Dieu, loin de l'émotionnel, nous restons dans le temple. Il est temps pour nous d'accomplir la prophétie. Il est temps pour nous de sortir de ce cauchemar, mon ami, retrouver le bon sens paysan. Il est temps pour nous qu'on avance maintenant, planter des graines reproductibles et revenir en chantant. Il est temps pour nous d'être vivants. À nous l'aventure, la grande quête de la vie. À nous la conquête tout simplement de notre propre esprit. Revenir tout simplement vers le présent. Il est temps maintenant de se mettre à genoux comme un enfant. Supplier la vie de nous redonner la force. Supplier la vie d'être un homme et qu'il nous renforce de sa force. L'univers, connexion, le chakra en force. Divination, le secret du cœur. Divination, le code intérieur. Revenir à la pleine création. Comme les animaux sur cette terre nous sommes venus. Pour être libres et vivants dans le présent. Nous sommes venus pour accomplir une mission, chacun à la sienne. Nous sommes venus tout simplement pour être vivants et faire ce que l'on aime. À nous l'avenir dans le présent. À nous d'accomplir ici et maintenant